vers Chevreuil et Saint-Guillaume. Ah ouais. C'est ça où il y a aussi ? Oui, oui. Ouais. Si, si. Il y a une belle forêt là. Ah oui. Bonne journée. Bonne chance. Hein. Merci. Normalement un futur chien de rouge. Bon, on a un chevreuil là. Je suis attention qu'il ne vient pas. Non, non. C'est Tilou là ? C'est Tilou, ouais. Il y en a deux, mon âme. Le dernier, je le viderai. Tu le vis à rempli de. Tu le passeras tout à l'heure. Regagne ton poste. On va aller voir en bas ce qui a été tiré sur l'autre ligne. Ouais. Tu as tiré de jeune ?
Il est pas au sol. Non, mais c'est ce que je regarde. Mais... Bon, et en haut, il y a un chevrillard. De tuer, et après il y a eu un autre coup sur la ligne, mais je sais pas ce que. C'est dans lequel là. Ils nous attendent au chevrillard. Bon, mais je vais y aller là, regardez quand même ce temps. Bon, bon. Attends un peu quand même, là, ouais. Parce que tu vas avoir des retours, oui, ça tourne oui, à l'intérieur. Oui. Bon, on va rentrer dans la traque. Et puis, oui. Arrivé là où je sonne. D'accord. Et on se retrouve au parking de la source. Entendu. À tout à l'heure. Ciao. Merde. Plutôt, il y avait une belle ligne à faire. Il y avait quoi? Il y avait... on a eu une... Une jeune biche, mais elle était pauvre, mais elle avait un petit. Elle avait un petit, mais alors vraiment tout petit. Les bichettes, elles peuvent être fécondées dans leur deuxième année. Ouais. Exactement. Bon, reprenez le poste, on va re-rentrer. Nous, on laisse finir les traqueurs là-bas. Pleine de battue au parking de la source. Alors, il y avait ces deux animaux, donc, la mère de petit, et on a eu également deux chevreuils. Je les ai vus que quand ils nous ont fait voir, tu sais, là. Le miroir. Le miroir. À savoir les fesses. Ouais. Ouais. Mais rien du tout. Il y a un truc qui est passé là-haut, mais en bordure, je l'ai pas vu. Pourquoi hein. Ouais. Pour une fois. Bon, je remonte là-haut, s'ils ont pas sonné, je serai arrivé sur le haut. Ouais, il y a Eric qui est par là. C'est cool. Ouais. Oh, c'est quel... De coups. Allez, sortez-le de là. Il y avait un joli qui pointe là. Non, ça c'est... Il n'y a plus... Là, il n'y a que là. Et parce qu'il était l'autre. Il y a les testicules, c'est tout. T'as vu comment ça, c'est bien ça. Les vaches, mon pauvre. Je l'ai vu là, mais je n'ai pas tiré. Il y avait les vaches, j'ai laissé passer. Et il prend l'élan, là. Il a pris l'élan au moment où je tirais. Mais je l'avais dans la lunette, je lui ai dit, il va tomber, c'est sûr. Là, on l'a tiré sur la butte, là. Il s'est traîné. C'est sûr. Il manquait des aguets à 40 mètres, alors. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire, vous êtes sûr. Non, mais enfin, je veux dire, il était commode, quand même, pour moi. Ouais. Pour un tireur comme toi, il était commode. Allez. Et je viderai là-bas, hors des vaches. On le descend alors? Oui. Et vous pouvez le descendre maintenant? On peut descendre. Bon, bien. Et tu vides pas ça pour une route, hein? Faites ça. Oui, mais on fera ça. Là, dans le communal. Vous ça, oui, entre les deux, entre les vaches et derrière la clôture. Oui, les vaches, allez les sentir. Allez. Allez. Si vous voulez.
venait de là. Hein. Il y avait une femelle avec deux petits là. Elle est sortie là, mais elle avait deux petits, je dis. On fait là. Hein? Alors on risque d'avoir une sanglier là. Les moins jeunes là, avec Cyril, vous allez prendre la ligne sous le télésiège. Donc je ne vous demande pas de monter toute la ligne, entendez-vous, vous partez 4 depuis le pylône 7 du télésiège en descendant, les 4 autres depuis le pylône 1 en montant. Ok? Cyril, tu t'en occupes. Avec Christian, la piste de ski de fond du haut. Il est où, Christian? Il est là. Elle est jeune. Vous avancez pas les véhicules. Vous risquez d'avoir les chasseurs de la cas de Currières à côté. Mais vous risquez rien, vous tirez comme d'habitude dans la zone de tir. Donc les consignes sont les mêmes, hein. Serre ou biche, fin de battue. Ok? Voilà, on va lâcher les chiens. Un petit peu. Il y a plus de toute race, hein. Du chien terrier, du fox terrier, du griffon. Là c'est Momo, là c'est le chien du beau-père. Là vous avez les grandes voix là. Gaston Saint-Angeois. Croisé porcelaine, il y a il y a un peu toute race. Là il y a encore des portes, passer un grand HLM. Là c'est un griffon. Là il y a un griffon et une croisée labrador et voilà. Allez, viens là, viens. Ouais, il y aura rentre dans le bois, ça va peut-être ressortir au milieu.
Serge va prendre une ligne qui va partir d'ici, le retour sur les planes. Tu monteras assez loin, on est assez, donc on fermera la montagne. Cyril et Christian, vous vous arrangez pour poster tous les autres jusqu'au chemin là-haut, d'accord ? Serrez pas trop au départ. Les consignes sont les mêmes que ce matin, si ce n'est que si vous tuez un cerf, une biche, vous sonnez, on sonne à la fin de battue, on arrête tout. D'accord ? Vous ne dépostez pas. Ne faites pas comme ce matin, même si c'est blessé, vous restez à votre poste. Vous attendez qu'on arrive, on n'a pas traîné pour passer, vous attendez, vous ne bougez pas, ok ? Vous tirez toujours pareil, sanglier, chevreuil. Chevreuil, vous tirez brocart et jeune. Les sangliers, vous respectez la bête de tête et la laissez les suiter. On est d'accord ? Tout le monde a sa pibole ? On l'a vu ce matin, tout le monde là ? C'est bien sûr. Au renard, on tire ? Non. Il est assez attiré comme ça. Non, ça va faire des coups de fusil pour rien, ça va me faire courir pour pas grand chose. Okay. Il peut y avoir du sanglier, hein. Apparemment il n'y a pas eu de monde ce matin ici. Donc faites très attention. Allez au poste en silence, sinon ça va quitter la traque avant qu'on arrive là-haut. On est d'accord tous ? Fin de battue, on se retrouve ici pour faire le point. Ah, tu fais un peu. Il a me recelé. Allez. Les angles de tir, le sens de traque, etc. Hein. Allez. Okay. Les gens qui n'ont pas envie de trop de marcher, vous restez les premiers postes. Là, a priori, on devrait voir des cerfs et en nombre. Hein. Hier, moi, j'étais présent sur le site. J'en ai rencontré plusieurs de jeunes cerfs, là, des huit corps. J'ai vu également des daguets. Je pense que normalement, on devrait voir du monde. Là. Piccolo ! Eric ! Il y a du gros là, hein ? Il y a du gros, hein ? Ouais. Allez, faut que les chiens les prennent, hein. Ouais ! Allez, Tidou ! Allez, Tidou ! Il y en avait combien, 4, non ? Ouais. Il y avait un petit, non ? Une petite ? Deux jeunes. Deux adultes et les deux jeunes derrière. Ils sont passés là ? Pourtant, j'ai trouvé des crottes de cerf fraîches, là. Oui, mais d'ailleurs. Mais ? Ils y sont, hein. Qui c'est qu'il a là-bas, qui traque là-bas ? C'est Marvin et... C'est Roland et mon neveu. Ah, c'est mon neveu qui crie comme ça. Ça me semblait d'avoir une voix de gosse, mais bon. Ouais. Bonjour, je rattaque par là-bas. Allez. Finis bien la pointe là-haut, hein, tourne bien les sapins. Allez, hop. Bon, on va du là, on est à l'intérieur.